of a ranger, the unsuspecting stranger, had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When your index is left behind you, cause that's where the ranger's gonna be. Je suis le perroquet le plus charismatique de toute l'histoire du jeu vidéo. Ça sent bon sur mon aile. Et donc, salut à toutes et à tous. C'est Dazer. C'est moi, Dazer. Et on se retrouve pour la suite de Wild Arms 5. Alors, pour ceux qui se souviennent, dans la dernière vidéo, on était arrivé à Gounon. J'adore cette ville. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Je pense que oui, mais c'est pas grave. Gounon, c'est une ville que je kiffe parce que la musique est sympa, la ville est sympa, j'aime bien le design de la ville. Vous voyez, c'est un peu un truc récent, assez bien, voilà, des petites maisons en bois, briques, voilà. Avec des perroquets, bon, il y en a partout des perroquets, mais c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment une ville sympa, il y a une atmosphère agréable qui règne, je sais pas. Il y a aussi une odeur de pomme, mais ça, on peut pas la sentir, vous connaissez dans la vidéo. Alors, on va commencer par traverser ce pont, mon dieu! Oh là, je suis vivant, je crois pas mes yeux. Prends ça, stupide pont! Haha, ça c'est pour avoir tué mon père! Référence qui connaîtra. Alors là, dans les pommes, tiens, ces pommes ont une couleur bizarre. Et voilà, une pomme de ref, ça je m'en souvenais. Faut que je pense à fouiller parfois dans les objets, comme ça on peut trouver des objets. Faut que je pense à fouiller les objets, on peut trouver les objets. Non, je vais refaire ma phrase. Faut que je pense à fouiller dans le décor, parfois il y a des objets de cachés. Genre là, je me demande s'il n'y a pas un truc aussi. Merde! Non, mais je... Oh, fuck. Bon, pas grave. C'est pas grave. Je voulais pas trop non plus avancer, mais bon, bref. Du coup, on se fait la cinématique maintenant. La bonne année vite, Rebecca, hein. De toute façon, c'est parce qu'elle est rousse, hein, moi je vous le dis. J'ai dit elle est rousse. Vous avez entendu? Rousse! Voilà. C'est inadmissible. J'espère qu'il n'y a pas de roux qui a... je suis désolé s'il y a des roux qui arrêtent une vidéo. Ouah, ça pue, non, mais ça pue pas la pomme. Enfin, quoi que c'est plutôt une odeur de cidre qui doit être dans l'air, bref. Pourtant, hé, ma petite Avril, tu sais que l'odorat, c'est une des choses qui sert le mieux à se rappeler de choses qu'on a oubliées. Voilà, je l'ai appris dans To The Moon. Si vous voulez apprendre des choses aussi intéressantes que ça, jouez à To The Moon. En plus, c'est un bon jeu. Enfin, un bon film, entre parenthèses, plutôt. Film de 4 heures, hein. Vu que c'est plus de la lecture pour moi que du jeu. Et les phases de jeu sont très simples, donc voilà. En même temps, bon, on va pas se mettre à tirer la gueule, quoi. Je veux dire, merde, elle est contente, ça. Ah, on n'est pas à la case départ, hein. Allez, on est à Gounon. Case départ, c'est... Taco Bronco, là, j'ai oublié le nom. Taco Bronco, non, le taco, c'est de la nourriture. J'en ai jamais mangé, d'ailleurs. Tu vois un taco? Un bon taco bien frais. J'aimerais bien manger un taco, un jour. Du coup, si... Alors ici, le truc que tout le monde, enfin j'espère pour vous, mais tout le monde devrait le trouver de sa première visite, c'est le coup du truc caché à gauche. Alors ça, c'est tellement mindfuckable, quoi, voilà, examiner. Oh bah ça alors, un badge, mais je sais pas, ce badge, il est... Aime les pommes, aime le vin, plus que ta chérie, plus que ta femme, cultive le vin avec l'amour de ton cœur. Oh, j'ai trop beau. Une femme ne serait pas furieuse si elle disait ça, faut demander à Rebecca. Bref, alors qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ah, oh, j'ai trop bu. L'homme qui se promène ici, il semble différent de celui qui est parti il y a 2 ans. Quelque chose a changé. Hein?
je ne sais pas trop. Oh, bah, c'est bien, parfois les personnes nous apprennent des choses sur le background du monde. On apprend qu'ici il y avait un homme. Vous voulez faire la valeur ? Ok. On apprend qu'ici il y avait un homme qui travaillait il y a 2 ans et qu'il est parti. Celui-là. Bah, c'était peut-être censé être lui qui est revenu, mais apparemment il ne ressemble pas, donc c'est pas lui. Ouais, il dit de la merde. J'ai pas trop envie de lire ce que disent les PNJ aujourd'hui. Je sais pas ce que j'aime, mais bon, c'est pas grave. Alors là, si je dis pas de conneries, on a un truc à faire ici. Ah mince, faut qu'il nous laisse toucher la valve. Et il y avait un type que je détestais plus que tout. Il était plus malin que moi, plus beau et plus travailleur aussi. Il a épousé la plus belle fille de la ville. Oh. Eh bien, il a obtenu ce qu'il méritait. Il a commis un crime abominable et a fui la ville pour de bon. Maintenant, ce sale type est un fugitif recherché. Ça lui fera les pieds. Savoir que ça permet de presser les pommes chaque jour plus facilement. Je me demande c'est qui ce mec. Je pense qu'on le reverra plus tard. Ouais, je crois avoir une idée de... Enfin bon, on le verra plus tard normalement. Si tu vas de bêtises. Une machine à presser les pommes. J'aimerais essayer ce truc. J'aimerais essayer ce jus 100% pur fruit. Normalement, là, si tu dis pas de bêtises, voilà. On peut utiliser le pressoir. Et si je dis pas de bêtises... Putain, j'arrête pas de dire si je dis pas de bêtises. Bah, va falloir presser le... Enfin, tourner environ 20 fois. Pour gagner du vin. Ou quelque chose. 1, 2... 3... 4... Mais à un moment, j'ai combien de trucs? 5... 6... Et on aura besoin de ce truc pour gagner la tête. 7... 8... 9... 10... On y est presque. 11... 12... J'aime bien le bruit que ça fait. 13... 14... Ça rappelle le bruit des rouillés à 15... 16... Allez, 17... 18... 19... Putain, je suis un petit travailleur, hein. 20... On va aller jusqu'à 30 au cas où. 21... 22... Parce que je sais plus combien c'est. 23... C'est, je crois même que c'est plus tard, en fait. 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... Alors, est-ce que j'ai gagné un truc? Arrête-toi! Voilà. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Comment on voit, non? Ouais, moi j'ai rien gagné. Moi c'est pour plus tard alors, cette quête. Toi, qu'est-ce que tu me dis de beau? Cette distillerie est l'orgueil du Gonon. C'est ici qu'on prépare les meilleurs liqueurs depuis il y a longtemps. Véronie Soul a fait un ravage ici et a détruit quelques machines. C'était désastreux, nous avons dû arrêter notre production un certain temps. Depuis, la noblesse autorise les Véronies à visiter Gonon pour acheter du vin et rien d'autre. Ah bah comme quoi les Véronies sont méniqués, hein. Il y a bien des endroits dans le monde où ils ont pas le droit de venir. Pomme de taxe, ça j'avais oublié. Ouais. Bon là, ouais, rien d'intéressant, des montagnes de pommes. Et là, je crois qu'on a vu tout ce qui est intéressant ici. Dans tous les cas, la quête annexe que je voulais faire, bah, ce sera pour beaucoup plus tard. Et on a encore des choses à faire hors de la ville. Donc déjà, enfin, hors de la ville, dans la ville plutôt. Donc déjà ici, je voulais vous montrer un truc. Alors, cette fille, elle est très importante. Parce que, on peut presque voir sous sa jupe. Allez. Non. Non, j'y suis presque, ne disparais pas. Non. Bref, on peut presque... Enfin bref, hormis ça, elle va nous être utile pour une quête annexe qu'on va commencer maintenant et qu'on finira plus tard. Beaucoup plus tard. Et, alors, attendez, j'essaye de bien la caser. Et cette fille... Mais putain, casse-toi bien. Voilà, parfait. C'est une des héroïnes de World Arms 4. Voilà, voilà. En gros, la fille principale qu'on obtient de notre équipe après le héros, quoi. Bref, oh putain, je suis sur le tonneau. Est-ce qu'il me donne un truc, le tonneau? Quel tonneau énorme avec tous ces alcools, un angle nord, je crois qu'il faut. Ça me rappelle un dicton, c'était... Il y avait un grand dessinateur qui utilisait des ballons pour bien dessiner. Et vu qu'un tonneau, bah, c'est 2 fois plus grand qu'un ballon, si on s'entraîne à dessiner sur un tonneau, bah, on aura 2 fois plus de talent que le mec. Bref, c'était un dicton. J'ai encore entendu dans Toast the Moon, décidément la référence, moi. Ouais, une ville pas contrôlée par les Véronies, bon, ça, on en apprend un petit peu plus, hein. Je suis désolé, je jappe un peu les dialogues, mais ça m'intéresse pas trop ce que disent les PNJ, je m'en excuse, hein, parce que j'avoue que c'est un peu ballot. Enfin, c'est un peu, je fais mon grenard, quoi. Alors, elle, bienvenue au magasin de Mama Plouk, mes amis nomades. Oh, qu'est-ce que tu nous vends de beau? Ah, des armes. Oh, mais des bonnes armes, en plus. Enfin, des bonnes armes, en soi, j'en ai pas besoin, hein, mais bon, on va quand même les prendre. Parce que je suis riche. Et rien pour avril? Oh non, 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 rien pour avril. Okay. Attendez, j'ai pas fini. Non. Là. Oh non, j'ai pas envie de lui acheter Rebecca parce que ça lui ferait perdre sa tenue. Bonasse. T'as un coup, ma salope, je te raconte pas, hein. Ah, Berserker, j'en ai pas.
vous savez quoi, je vais en acheter 5. Parce que Berserker, je crois qu'on l'utilisera plus tard pour une création de badge, mais je dis peut-être de la merde. Réduit les garanties, augmenter. Putain, c'est cheaté. Ah, mais si, j'en ai déjà un, mais il est équipé sur un perso, il me semble. Hop, ça c'est pour la collection, comme j'ai déjà dit. Truc useless, mais c'est pas grave. Hop, et on a fini. Voilà, bon, des petits trucs sympas à acheter chez elle, comme quoi, bon, on va s'équiper de suite. Donc, une arme pour Dean. Voilà. Une arme pour Rebecca. Et rien pour Avril, tu restes toute nue. Bon, Avril, on peut lui mettre des badges, ce qu'on va faire. Pff, je sais pas ce qu'on va lui mettre. Amnis contre la maladie. Amnis contre poison, malédiction. Instant des PV à chaque tour, MP. Et on va mettre ça, tiens. Ah, j'en ai déjà un, merde. C'est pas super utile, du coup. Ah, le porteur n'a plus de gela, non. Augmente les chances de rencontrer des monstres, non. Donc les chances d'attaque furtive. Ton gela reçu. Ah, ça, ça peut être sympa. Non, ça, je suis con, faut le mettre à 10, mais sinon, c'est pas utile. Augmente les MP maximum, on s'en fout. Augmente la force contre attaque. Sans les PV perdus, restant des PV à chaque tour. Ouais, bon, allez, tiens. Un avenir sur maladie, poison, malédiction, réduit les dégâts provoqués par les attaques élémentaires. On va prendre ça, tiens, c'est la fête. Avril, on a même mode protection, même si c'est pas des masses utiles pour le. Enfin, vu mon niveau. Alors, j'entends des gamins courir, c'est difficile d'élever les enfants tout en tenant un magasin, tu m'étonnes. J'ai vraiment souvenir qu'il y a un tonneau qui nous donne un truc, hein. Ça rappelle la fois, j'ai oublié de raser mon cactus en pot et c'était complètement desséché. Je suis désolé, monsieur Cactus. Monsieur Cactus, moment de réflexion pour toi, voilà, paix à ton âme. Voilà, je pense que maintenant son âme est en paix. Du coup, maintenant le coffre. Ah, une épée poisir, c'est génial. J'ai un peu mal lu, mais c'est pas grave. Du vin, ouais, y'a rien. Putain, mais j'ai vraiment souvenir qu'il y avait un truc, hein, je vous jure. Une vue apprenable. Oh. On n'a pas de millions de gel. Cette ville n'est pas. Ouais, bon, ok, on s'en fiche. Elle nous reparle du fait que les Véronies font pas chier ici. Et du coup, bah ouais, je trouve pas de. D'objets cachés, donc je me souviens, putain, la vue elle est pas mal ici, sincèrement. Y'a pas de remarques à faire sur la vue? Non, dommage, elle est sympa. Et en fond, on voit une ville où on n'ira jamais. Quoique, peut-être que ça, on verra plus tard, mais ouais, c'est vrai qu'elle me fait penser à quelque chose. Donc, si je dis pas de bêtises, normalement, alors soit il y aura une scène vers l'entrée de la ville, soit il y aura une scène dans le cimetière. Donc, on va aller vers le cimetière en premier lieu, et s'il y a rien au cimetière, c'est que ce sera hors de la ville. Voilà, on n'aura plus rien à faire ici. De toute façon, on devra revenir ici plus tard, donc on n'en aura pas fini pour le moment. Pas pour rien que j'aime bien ce passage du jeu, on est dans cette ville de ouf, quoi. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Je pourrais en boire un coup, du coup. Ça va me faire du bien à la gorge. Faudrait faire des fleurs à monsieur Gactus. Comment il nous a mindfuck? Donc vous voyez, bien la preuve que si un Véroni ne dit pas que c'est un Véroni, bah, les gens ont du mal à savoir que c'est un Véroni ou pas, vu que là, bah, le Gan ne sait pas du tout si Avril est un Véroni ou pas en le voyant. Donc, comme ce que je disais de la vidéo d'avant, voilà, un Véroni on peut pas voir à l'œil nu comme ça si c'est un Véroni ou pas. C'est-à-dire qu'un humain pourrait se faire passer pour un Véroni, bah, les gens pourraient peut-être y croire, quoi. Et on en apprend un peu plus sur les Véroni au passage. Soit c'était pas vraiment notre ami, mais bon, c'est pas grave, on se donne de l'espoir.
On sent qu'il est derrière le mec. En tout cas, bah, voilà. Pour les Véroniers, vous en savez un peu plus sur eux, c'est que bah ils viennent de l'espace. Hein. On en apprendra encore un peu plus tard. Enfin, même beaucoup plus en soi, mais bon. Ouais, bah... C'est pour ça que bah déjà maintenant, vous pouvez savoir de quelle race était le pilote dans la dernière vidéo qu'on a vu durant une cinématique. Hein, vu que bon, bah, ils viennent de l'espace, voilà. Le gars, il disait d'où il venait. Hein. Je pense que vous avez tilté si vous êtes pas bête, hein. Le goût du vin change aussi en fonction de la couleur du nez. Hein. Ou c'est plutôt l'inverse, mais bon, faut pas le dire. C'est la couleur du nez qui change en fonction du vin. Voilà, le dicton est désolé. Oh là là, le sourire de ouf qu'il faisait, le gars! Ah, mais c'est le journal de Rebecca. The last time I cried was when I got my arm. Ever since then, I've been trying not to cry in front of Dean. I didn't want to worry him. But lately, he hasn't been paying as much attention to me. Yes, it makes me feel kind of lonely. En même temps, il est avril maintenant, hein. Enfin, le journal de Rebecca, c'est quand même un truc qui pète dans le jeu, parce que ça permet de mettre un putain de paquet d'ambiance, quoi. Enfin, de nous montrer surtout le point de vue un peu de Rebecca, et ça, c'est un truc qui est vachement agréable. Du coup, ça nous attache un peu plus au perso. Voilà. Il y a un petit truc en plus que les autres persos n'ont pas, c'est bah, le journal de Rebecca qui fait que, bah, voilà, on se tape son point de vue, et ça, c'est quand même pas mal. On verrait que son point de vue est quand même assez profond en soi, on en reviendra beaucoup plus tard à ce niveau-là. Mais ouais, j'en parle pas plus pour le moment, mais le point de vue de Rebecca est assez important. Mais je vous dirai pourquoi en temps voulu, donc pas pour tout de suite, ça c'est clair. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la ville, on n'a plus rien à y faire, et normalement il y aura une autre scène. Voilà, on est gardien en scène aujourd'hui, c'est cool. Enfin, pas pour certains, mais bref, moi j'aime bien, c'est sympa. Oui, on sort. Quoique normalement c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose, ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous savez quoi, j'ai quand même envie de retourner la ville voir un truc. Parce que là ça me semble louche, j'ai l'impression qu'on a oublié un truc. Normalement je sais qu'on est censé faire un truc pour Gounod en fait. On est censé leur rendre un service, mais là on nous l'a pas demandé en fait, et ça me semble louche. Du coup je vais quand même refaire un tour à gauche au cas où. Ça me paraît vraiment bizarre. On va retourner dans le truc à vin, là. La cidrerie. Juste parler aux gens, voir s'ils nous demandent un truc. Sinon, bah, on s'en ira. Ah, voilà. Oh, putain, je vais bien. Je me disais bien que... Non, on devait faire quelque chose avant de partir. Vous voyez, faut prendre les scripts dans l'ordre, sinon on se fait niquer. Non, parce que je suis bête, je suis sûr... Je suis sûr qu'ils nous ont dit de la dernière scène de la cidrerie. Enfin, peut-être, je suppose... J'ai pas fait gaffe, je vais vous avouer, mais... Ouais, non, il a pas dû le dire, en fait, s'ils savent pas qui on est. Enfin, s'ils savent pas qui c'est. Donc ouais, fallait y aller au feeling. Ouais, du vin. Too easy.
Voilà. Donc vous vous doutez que notre prochaine destination c'est ce temple, et ça tombe bien vu que justement bah, cet homme a besoin qu'on y aille. Hein. Il veut qu'on y apporte du vin, et nous on a besoin d'aller dans ce temple pour des informations sur ce cher Johnny. Johnny Appleseed. Yeah. Du coup on va y aller de suite, hein. On a combien de minutes là juste... Ah, 20 minutes, putain le temps passe vite hein. Déjà 20 minutes dans cette magnifique ville, c'est triste, ça passe vite. Oh. Mais qui devient fou. Allez, on va sur la carte du monde, soyons fous. Et on va fouiller, on va searching. On va fouiller. Ah, faisceau vert. Par contre, on va essayer de bien fouiller parce que j'ai vraiment envie de trouver cette tenue que j'ai jamais trouvée. Putain, je la veux, elle m'énerve. Tu sais, comme j'aimerais bien la trouver, bordel. C'est pas trop demandé, merde. Je pense qu'il faut faire les tours. Là, vous voyez, je sens. Il faudra que j'aille chercher la tenue pour Avril aussi. Ça, par contre, je me souviens où elle est. Elle, je l'ai bien retenue, ne vous inquiétez pas. La tenue pour Avril, je l'ai pas oublié. En même temps, c'est parce que je l'avais trouvée en partie. Je sais où elle est. Mais la tenue pour Dean, justement, elle, ce sera du pif. Mais on l'aura, hein. On continuera pas tant qu'on l'aura pas. 2 heures plus tard. Où est-ce qu'elle est? Le mec qui pète les ponts. Voilà, ne vous déplacez pas trop. Ah ouais, mettez-vous tous au milieu, ce serait cool. Alors, ce qui serait énorme, c'est qu'il lui foute un buff et que le mec aille au milieu, tu sais. Le buff qui sert à rien. Ah ouais, non, dommage. Ça aurait été drôle. En fait, il y a eu un lag, donc j'ai pas trouvé ce qu'il a fait. Bref, c'est pas grave. Hop. Du coup, il reste qu'un scorpion, donc il craint quoi ? Il est faible à la terre. Et je suis sur du vent, mince. Ça ne me tuera pas. Par contre, Avril est sur une case de terre, elle. Bon, bah, juste attaquer alors. Si on peut pas le one-shoot, ça sert à rien. Mais Avril, elle devra le finir, hein, je pense. Oula ! Et oh, elle s'est mise à faire sa phrase à steak off ! Mais elle s'est arrêtée au steak en fait, comme quoi là. Elle a compris que nous on voulait juste du steak, sans brûler du off. On s'en brûlait, tu sais. Je commence à inventer de nouveaux mots. Alors, allons bon. On continue notre recherche très poussée. Voilà, merci. Searching. Voilà, bon. Au pire, vous voyez ce que je veux faire, c'est la première fois que je vais au temple, qui se trouve, bon, vous voyez, en royal en blanc. Je fouille la partie droite du monde, et quand je reviendrai, je fouillerai la gauche. Attendez, vous voyez? Ouais, non, dommage. Là, il aurait pu y avoir une petite grotte. Hein. Vous verrez que justement, la tenue d'Avril est un peu cachée dans une petite grotte comme ça. Je vous la montrerai. Vu que je veux la tenue. Ah, non, y a rien. Dommage. Je me sentais bien. Est-ce que je serais là pour des nouveaux fringues, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de fouiller un peu sur les côtés là, ou est-ce qu'on va vers le temple? Ça fait chier, j'aurais bien voulu la tenue. Searching. Oui, en plus là-bas on voit qu'il y a une autre partie du monde. Hein. Il y a un petit peu des sortes de mini-phares, on voit à gauche et il y a le train qui passe à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là en soi on n'a pas exploré. Ah, c'est quoi? Allez, je vous ferai une accélération au pire. Faut juste que j'y pense. Moi j'ai bien envie d'explorer un chouïa, au pire on rate la carte. Ouais non, en fait c'est quoi, je sais que c'est pas par là, parce que... Enfin, mon coffre, hein, parce que je sais que j'avais été voir une soluce juste pour savoir où était le coffre. Et ils écrivaient qu'il était dans la zone en haut à droite, vous savez, il y a un X et un Y pour la longitude, la gévitude et tout mon cul. Je sais qu'il est dans les 7000 et quelques. Ni plus ni moins. Si on est dans les 8000, ça passera pas. Putain, 1000 pas de cuirassé les mecs, hein. Ça c'est un truc terrible, c'est cool. On sent bien. C'est Avril qui l'a dit, c'est pas bon. De là. Pierre, je fais attention à la main pour essayer de trouver la tenue. Just take a look around. Du coup, en fait, à mon avis, elle est un peu vers la droite. Oh, il y a une map. Attendez, c'est un point de sauvegarde, ça. Oh, c'est cool. Oh, bah, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver mon costume. Je pense qu'il va être par là. Et ensuite, on ira sauvegarder. Don't miss anything. Oh là, ça fait du bruit, ce truc. Don't miss anything. Normalement, si on lui parle, hein, ils me diront qu'on peut pas le... Oh, classe, Dean, salut. C'est une belle map. Yeah.
Ah putain, les combats sont un peu relous là. Bon, il n'y en a pas des masses, mais c'est un peu relou parce que je cherche mon costume. Il aurait bien le trouver. La bataille commence. Putain, on est tous ensemble, ça fait pas bon. Oh oui, venez là. Parfait. Nickel, ne bougez pas. Si le cochon pouvait vous rejoindre, ce serait cool. Allez, scorpion. Cochon, pardon. Oh non! Mais arrêtez! Mais il est con, il est déjà buffé! Parce que oui, je rappelle que c'est la case qui buff, hein, donc quand une case est déjà buffée, ça sert à rien de la rebuffer. Putain, il l'a abruti lui! Alors, scorpion. Tu crains quoi le scorpion? Tu crains la terre, et toi, l'eau. Je suis sur une case vente, ça devrait pas faire des masses de dégâts, mais ça en fera, ça c'est sûr. Oh, on va one shoot lui. One shoot. Who shoot plutôt, vu qu'il a déjà été attaqué par Dean. Enfin, non, par Rebecca, pardon. Allez, comme ça, Rebecca, tu as un ami en un gun. Enfin, en un coup de gun. Pas d'XP? Mais c'est quoi ces radins? Ah, oh, je suis pas content, hein. Je suis pas content, moi, je voulais de l'XP. Il y a bien ma tenue là. Je sais qu'elle est par là, c'est obligatoire. Elle est par là, je le sais, je la sens. Je sens l'odeur, oui. Elle est là, quelque part. Mais je la rattrape pas, t'inquiète pas. Hein. Je parle à Dean. Elle est par là, je le sens. Mais c'est ce que je fais. Mais c'est ce que je fais, t'es con quoi? Qui est pas même, c'est qu'il vénère tout seul. Attendez, je suis sûr, il est dans le coin. Just take a look around. Don't miss anything. Just take a look around. J'y arrive pas, hein. Je vous jure que j'essaye, mais j'arrive pas à la trouver. Je pense que là, il y a une accélération. Hein. Mais je l'ai pas dit, mais il y en a déjà une. Ouais, ouais. Mec, ouais, tu me fais chier, salope. Pas content. Et les gars. Hop, hop, hop. Attends, mais il craint pas le feu, lui. Si, il craint le feu, pourquoi ça l'a pas tué, du coup? Parce que tout à l'heure, j'ai fait la même chose. Avec Avril, j'ai attaqué le monstre, ensuite je lui ai donné un coup de vent. On va vérifier. Putain, mais c'est pas logique, je lui ai donné un coup de vent avec Rebecca... Enfin, avec Avril, pardon. Alors, je l'avais déjà attaqué avec Rebecca. Et c'était censé, bah ça l'avait tué. Et là, je viens de l'attaquer avec Rebecca, et ensuite j'ai donné un coup de l'attaque qui lui fait le plus mal, l'attaque de feu. Et ça l'a même pas tué, donc j'ai pas compris le délire. Hein. Pas grave. Hein. Allez, une tenue. Une tenue, monsieur. Une tenue. Allez, donne-la-moi. Je sais qu'elle est par là, j'en suis sûr. Putain, mais c'est pas possible, ça. C'est pas croyable, hein. Ouais, c'est ce que je regarde. Enfin, on n'est pas perdu, on cherche une tenue, mec. Là, je fais un peu nawak, parce qu'il y aura pas un truc en plein milieu du chemin comme ça. Et là, s'il y en a un, j'ai l'air con, hein. On va fouiller un peu plus vers le haut, sans aller dans les... Pas dans les 8000, mais dans les 80000 plutôt, vous voyez. C'est plus vers le bas. Let's take a good look around. Là, les combats commencent à me saouler, je crois que je vais fuir. Ouais, ça est quoi? Ou au pire, je fais ça hors vidéo. Ah, on en est pas à 30 minutes encore. Ah, bah parfait, on a encore du temps, du coup on va fuir. Le groupe s'est enfui. Putain, j'ai jamais ce message qui me dit qu'on perd des guilds, c'est bizarre. Hein. Enfin, des gélas, pardon. Et normalement, ils me le disent. Enfin, ils disent qu'on en gagne en se trouvant de la trace, comme j'ai déjà dit, mais... Je trouve ça louche que ça ne me convienne pas. C'est pas normal. Ou alors je suis tellement au level que je perds pas de gélap face aux ennemis. C'est peut-être aussi probable que ce soit ça, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune putain d'idée. C'est quoi le look? Alors attendez. Là, ce qu'on va faire. 7900. Alors je pense que si je remonte par là, vous voyez, ça va monter le chiffre. Donc on va faire un truc, on va monter jusqu'à 80000.
Voilà, donc là j'ai atteint les 80 000, j'ai pas d'objet, donc c'est que le la tenue est en bas de ce pont qu'on va y aller. Je pense qu'on s'arrêtera. Dès que j'ai la tenue, on s'arrête. Je reviens pour vous montrer l'emplacement, en fait, ce serait cool. Je sais pas aller par là, j'en suis sûr. Allez, où est-ce qu'elle est? C'est pas normal, elle est pas aussi loin quand même. Non, je m'écarte trop là, je m'écarte beaucoup. Voilà, je suis en train de miser des trucs, hein. Regardez, c'est quoi ce gros espace là? Normalement, il devrait mettre un truc. Oh, ça me semble bizarre. Ah, ça me saoule, hein. Ah, et là, ce petit coin me semble sympa. Là, ce petit coin, je l'aime bien. Je dis, il y a quelque chose. Je dis, il y a un truc. Oh, en plus, des ennemis, ça, on se les fait en 2-2. Regardez. Mecha à l'attaque. Ensuite, d'infini. Non, pas de... Allez, voilà. We gotta protect everyone. We can do this together. Ouais, ouais. On l'a fait ensemble. Putain, on gagne plus d'XP. Je crois que les combats, je vais tous les fuir, là. Jusqu'à en retrouver les où je gagne de l'XP. Parce que c'est vraiment... pas de l'arnaque. Oh! Désolé, j'ai une réaction. Est-ce que c'est ce que je cherche? Oui, hein? Attendez, mais c'est pour Greg, ça? Non, mais c'est pas... Non, mais je me suis fait niquer, là. Mais c'est... Non! J'ai récupéré une tenue pour Greg! Ah, c'est pas vrai! Et du coup, je sais pas du tout où elle est, la tenue de Dean. Putain, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer cette partie du monde. Là, vous voyez, il y a un gros coin à droite. J'ai envie de l'explorer et voir s'il n'y a pas la tenue de Dean, parce que je veux cette tenue, putain. Au pire, bon, je pense qu'on reviendra... Cette partie-là, il me semble, si je dis pas de conneries, qu'on y reviendra plus tard, parce qu'en haut, en fait, je vous explique. Vous voyez qu'il y a un petit chemin qui va juste à droite, et ça monte en haut. Et en haut, en fait, il y a un arrêt de train. Donc, beaucoup plus tard dans le jeu, on devra l'utiliser. Donc, voilà. Donc, les gens, écoutez, moi, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah désolé qu'on s'arrête en plein milieu de la map monde comme ça. Dans la prochaine vidéo, on ira dans le donjon qui se trouve au nord, où il y a un rond blanc qui entoure une destination. Et moi, d'ici là, bah, je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut les gens !